En cette fête du Jeudi Saint, nous avons reçu le Père Jean, le Père Roger et moi-même de très nombreux messages de personnes qui nous souhaitaient une bonne fête des prêtres. Et nous voudrions vous remercier de cela. Nous nous sentons très soutenus par votre prière et par votre amitié. Simplement, j'ajoute que c'est la fête des prêtres, c'est vrai, parce que Jésus a institué le sacerdoce le Jeudi Saint, mais c'est aussi la fête des diacres, et je pense à notre diacre Dominique, et c'est aussi la fête de l'évêque, qui malgré tout est avant tout et toujours prêtre. Vous savez peut-être que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, quand elle était petite fille, s'est beaucoup émerveillée du fait qu'il y avait des ascenseurs. En effet, les ascenseurs venaient d'être inventés et elle témoigne dans le manuscrit autobiographique que chez les gens riches, dit-elle, il y a des ascenseurs qui permettent d'aller rapidement sur l'étage supérieur sans se fatiguer sur un grand escalier. Et elle en conclut quelque chose, qu'elle-même se sent incapable de gravir le rude escalier de la perfection, comme elle le voit par exemple chez Sainte Thérèse d'Avila, et qu'elle aimerait bien qu'un ascenseur vienne la prendre pour ensuite l'élever vers la perfection, et que cet ascenseur, ce seront les bras de Jésus. « Mon ascenseur, ce seront vos bras, ô Jésus », dit-elle. Eh bien, ce qui est vrai pour la perfection chez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, l'est aussi pour un phénomène que nous voyons pendant la Semaine Sainte, et particulièrement à partir de ce jour du jeudi. Mais à vrai dire, tous les jeudis, c'est ainsi, et tous les vendredis devraient être saints, et tous les samedis sont des samedis saints, et tous les dimanches sont des jours de Pâques. Un ascenseur, cependant, ne sert pas simplement à monter. Un ascenseur sert aussi à descendre. Et donc, il est tout à fait clair que si nous pouvons monter vers le ciel, si nous pouvons nous élever, ou plutôt être élevés par Dieu et par ses bras puissants, cela signifie que Dieu est d'abord descendu. La religion est d'abord une descente de Dieu vers l'humanité avant d'être une remontée de l'homme vers Dieu. Et donc, ça signifie que pendant la Semaine Sainte, Jésus descend. À vrai dire, il a commencé à descendre déjà le jour où il est né, c'est-à-dire le jour où la seconde personne de la Trinité, le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu, éternel, est descendu sur la terre, c'est ce que nous fêtons à Noël. C'était déjà une descente et une chute énorme. Et puis, à cette chute, s'est ajoutée la chute de la souffrance, de la mort, de la descente aux enfers, c'est-à-dire au séjour des morts. Et donc, en fait, Jésus est beaucoup descendu afin que toute personne qui connaît la mort, la souffrance et puis la chute aussi, peut-être que d'ailleurs notre monde en ce moment est en train de chuter en quelque sorte de son piédestal. On croyait qu'on était tout puissant contre la maladie et puis on s'aperçoit que nous sommes vulnérables. Et donc Dieu est descendu pour que nous puissions ensuite, à notre tour, remonter. Et donc peut-être que la Semaine Sainte est pour nous l'occasion de descendre avec Jésus. Qu'est-ce que signifie descendre avec Jésus? Eh bien, cela signifie l'accompagner dans sa passion, l'accompagner dans une descente progressive, en essayant de comprendre ce que lui-même éprouve dans sa passion, dans ses souffrances, se demander ce qu'il éprouve au moment où il a réuni ses apôtres le jour du Jeudi Saint, comprendre ce qu'il a éprouvé
quand il a compris dans sa chair qu'il allait mourir, comprendre ce qui s'est passé au moment où il était crucifié, entrer en quelque sorte dans l'âme de Jésus, et donc descendre avec lui, ne serait-ce que par affection pour lui, par compassion pour lui. Et puis, peut-être que descendre avec lui, outre que ça nous permettra de remonter avec lui ensuite vers la résurrection, descendre avec lui, ça signifie aussi sans doute, eh bien, se rendre compte des souffrances qui nous entourent, se rendre compte de ceux qui sont en train de descendre vers la souffrance et vers la mort, et donc en quelque sorte être attentif à la souffrance. Et si nous faisons tout cela, eh bien non seulement nous allons être rejoints par le Christ dans nos propres difficultés, dans nos propres souffrances, pour remonter dans une résurrection, mais en plus nous serons peut-être plus attentifs les uns aux autres, et ainsi remonter avec le Christ dans la résurrection. Peut-être puis-je terminer simplement en évoquant l'adoration, puisque dans la nuit du jeudi au vendredi, il y a un temps d'adoration qui marque dans beaucoup de paroisses ce passage très particulier du jeudi au vendredi, avec une adoration nocturne qui s'est faite de manière confinée, mais qui s'est faite quand même dans la paroisse, qui a été organisée quand même. Et donc, dans l'adoration eucharistique, nous sommes en présence de Jésus ressuscité, parce que sa présence, le fait de communier au corps du Christ, nous communions bien sûr à un corps ressuscité, c'est pour ça que nous pouvons communier au corps du Christ. Donc, nous sommes en présence de Jésus ressuscité, et deux, nous sommes aussi en présence de Jésus qui souffre et qui meurt, qui n'est pas absent de l'adoration eucharistique. Quand nous sommes en présence de l'Eucharistie pendant un temps d'adoration, eh bien, pensons au Christ souffrant et au Christ mort, au Christ ressuscité. Tout ça est présent dans l'Eucharistie. Et ainsi, soyons présents aussi à toute personne qui vit, qui souffre, qui va mourir, qui meurt et qui est appelée à ressusciter.